Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Élodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kovalevska, Mousse Diouf, Mia Fry, Sébastien Mourat, Daniel Gilbert, Vincent McDoum, Evangélie, Maxime, Ticia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. Et moi, je vous le dis, ça va les changer. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bienvenue à la ferme, bonjour Patrice. Et bonjour Christophe. Comment ça va bien? Ça va bien. Alors hier, vous avez pu voir que Daniel a eu une matinée un peu difficile. Et tension avec Eve, tension avec Hilario. Ouais. Bref, c'était pas son jour. Et Hilario, le nouveau régisseur, tout nouveau régisseur qu'il est, il a commencé par une faute grave. Oh putain, il a poussé Vincent qui ne l'a pas bien pris du tout. Hein. Mais attention, Vincent, faut le savoir. Hein. Faut pas le pousser. Non, puis hier, c'était dimanche, mais avisant, attention. Hein. Les célébrités, elles sont au boulot. Quand les vaches, il n'y a pas de dimanche. Non. Et je peux te dire que le pied de guerre, dès 7h du matin. On ira leur faire un petit coucou tout à l'heure. Aux vaches? Non, à tout le monde, mais tout de suite. 7h, on va aller voir leur réveil en visant, tiens. C'est bien, Patrice, c'est bien. Allons-y tout de suite. Hein. J'ai le triste devoir de te réveiller en premier avec Vincent. Céline est déjà debout. Bon voilà, étire-toi bien, puis la journée démarre. C'est fini, là, hein! Putain! Spaghetti! Chi ha figatelli? Sont rationnés, les petits animaux. Si tu n'as rien à faire, tu peux enlever la merde. Hein. Ouais, je crois que je vais faire ça. Des ânes? Hein? Celle des ânes. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Parce que comme moi, j'étais juste de potager et de réveil, j'ai plus rien à faire et je m'emmerde. Donc, je vais vous aider à faire ça. Ça va, biche? Ouais. Ou du bon lait pour demain. Ah. Wow. Quelle force de la nature, c'est Pascal. Je vais faire avec moins de style, moi. Alors, allez au boulot. Faut pas remettre de paille, ça a été dit. Ah, mais ça, je le sais.
C'est ça. Faut l'enlever. J'ai dû prendre la paille de là et en remettre non, un peu. Il faut pas. Je te dis qu'il faut pas en remettre. Mais elle a rien compris. De la paille qui est déjà là, pas de la paille. Mais non, mais il faut paille. Pas. Il faut sortir la paille au fur et à mesure parce qu'il leur faut pas de paille. C'est vrai, parce c'est ce que c'est des. C'est ce que je suis en train de dire. Non, mais tu me dis, on prend la paille qui est là. Bah celle-là, elle est à eux. On peut la prendre. Mais c'est non, de la paille neuve qu'on ça, peut pas prendre. C'est pas ça. Il leur faut pas de paille. Vous comprenez pas. Ils nous ont dit, comme ils ont des sabots, il faut pas que. Qui marche trop sur de la paille, il faut mieux qu'il marche sur du dur. Bah donc, il y a de la paille partout, vous voyez. Eh bien oui, ben, il faut l'enlever. Non, parce qu'il y en a qui en remettent. La merde, là, c'est pour ça que mais on ne recouvre pas la merde avec la paille, on enlève la merde. Les animaux ici, c'est ce que je préfère, mon cœur. Mais attends, Eve, parce qu'on discute de quelque chose, tu dis, personne t'a dit que tu t'occupais mal des animaux. Non, mais à chaque fois que je fais un truc, on dirait que vous me faites des critiques comme si je le faisais mal. Mais j'ai le droit. Ah, non, on mais revient, j'ai le droit. Attention, non, parce qu'on me reproche de ne pas prendre d'initiative. Arrête. Non, mais écoute-moi, bon, Daniel, tu peux jamais écouter les gens. Mais je veux bien. Mais tu me parles quand t'as parlé au début. On me reproche de pas prendre des initiatives. Et quand j'en prends. Je te donne un renseignement. Et quand je prends des initiatives, on m'engueule parce que je le fais mal. Mais on t'engueule donc pas, après, personne c'est normal, ne t'engueule. Je prends des initiatives, j'ai peur qu'on m'engueule. Eve. Tu comprends, mais c'est t'es ça. Mais t'es bête là, personne ne t'engueule. Bah si, t'arrives, tu me dis, c'est pas ça qu'il faut faire, faut pas mettre des initiatives. Mais je veux bien te dire ce que Jean-Philippe a dit puisque je l'ai entendu. Chacun apporte la, son une expérience. Il y a une manière de le dire, toujours pareil. Oh, là, tu me parlais de... mieux. Bon, ça recommence. Et puis tu me reparles comme au début. J'ai l'impression qu'on est au premier jour. Mais je suis pas un bébé. Oui, 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 oui. Fais ce que tu veux. Dès que je fais un truc, on a allez, c'est mets de la ta paille, main que... mets de la paille. Mets ta main que je te donne un petit coup sur la main. Puisque ça va, tu on as de la paille, hein. Tu mets de la paille. J'ai 23 ans, je suis plus un bébé, j'ai pas besoin de maîtresse d'école. Elle a un peu ce côté-là, ce trait de caractère de dire aux gens, il faut faire comme ci, comme ça. Donc ça me rassure, je suis pas la seule. Je lui dis un truc, non, là. Je lui dis un truc à Eve, elle me dit... Il s'excite oh, vite, hein. Mais on dit toujours que tout ce que je fais est mal, mais c'est pas ce que je sais. Elle m'a dit pour les doses du cochon, que c'est je ne savais pas. Quoi. Il faut pas que ça recommence, hein. Voilà. Faut mettre le frein. Ouais, mais c'est vrai qu'elle a toujours à redire sur les choses. Oui, en fait, tu fais jamais les choses comme il faut, d'après elle. Et elle dit toujours le contraire de ce que tu dis. Tu sais quoi, Daniel? Oui. Elle est peut-être bête, mais elle est très serviable. Elle est très gentille. C'est une gamine très gentille. Très, très, très gentille. Moi, je l'aime beaucoup. Et puis, moi aussi. J'ai essayé de lui expliquer qu'il faut pas... Elle a un peu la... Elle a la tête en l'air. Mais elle croit toujours que c'est une attaque. C'est ça, son problème. Bah, elle est susceptible. Non, 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 non. Elle n'est pas susceptible? C'est parce qu'elle m'a expliqué, c'est vrai. Elle n'est pas sûre d'elle. Alors, elle a l'impression qu'on l'attaque, tu vois. Que c'est toujours dirigé contre elle, mais ici... Non, c'est pas dirigé. Bah, rien n'est dirigé contre personne. Mais personne, c'est ce qu'on apprend. Alors chacun dit... moi, j'ai entendu ce que nous a dit Jean-Philippe, c'est pour ça que je le dis. Hein. Maman, tiens, papa. Poupou. Tiens, je vais remettre de l'eau, là. Maman, tiens, papa. Ah, le cochon est sorti. C'est normal? Le cochon est sorti. Le cochon est sorti, Lario. Allez, 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 allez. Allez. Mais c'est fini, oui. Allez. Allez, allez. Il va y aller tout seul, tu sais, regarde. Quand on met un responsable pour les animaux, vous êtes responsable pour les animaux en ce qui concerne la journée. C'est tout. Et pourquoi tu viens m'engueuler? Mais j'ai fait les poules, j'ai fait rentrer. Les cochons, j'ai voulu aider Maxime qui garde le cheval pour lui. Mais je viens pas t'engueuler. Hein. Mais alors pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire là? Le cochon qui est sorti, fait les rentrer. Je veux bien les faire rentrer, mais quand on donne des responsabilités à quelqu'un... Oui, mais c'est plus un truc d'homme, hein, parce que quand vous êtes plus fort que nous. Je hein. sais, je alors sais. Alors tu vas pas râler, parce que pour une fois, t'as rentré le cochon. Hein. Ça rattrape les fois où ah tu non, l'as mais... pas fait, hein, il y a 15 jours. Non, pas, mais... non, non, mais il faut quand même un peu de... Faut remettre faut les choses à leur pour place. Pour rentrer les cochons, il faut être au moins trois. Mais attends, non, 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 je vais aider. Non, 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 tu bouges pas. Non. Mais si. Oh, mais enfin. Non, Daniel. Mais... Non, Daniel. Aïe, mon poignet. Non, Daniel. Non, 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 Daniel. On termine. Non, 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 mais je vais y aller. Mais non, déjà. Daniel, oh, Daniel, ça se fait bon, il n'a pas à me parler comme ça, mais... Daniel, mais... ça se fait pas. Hein. Non, Daniel. Pourquoi ça se fait pas? Faut donner de temps en temps un tout petit coup d'arrêt, comme ça, ça dégénère jamais. Après, ça rejaillit, le ton se modère et personne n'empathie après.
Et effectivement, le cochon, quand il sort, mais c'est difficile pour juste des nanas de, d'attraper les cochons parce qu'ils sont lourds, mauvais et il faut être costaud, quoi. Bon, les, moi, je vais bien. Non oh. Attendez, mais la solution c'est arrive, c'est Pascal. Voilà. Ferme ah, tout. Si tu mords, attends, c'est... Oh là là. Bien joué, Pascal. Mais c'est ce que j'étais en train de essayer de faire tout à l'heure. Attends, on va le remettre. Ne me pousse pas comme ça. Excuse-moi. Non, 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 ne me pousse pas comme ça. Tu te prends pour qui, ça, toi? Ah, ça suffit, hein. Ça... Mais je t'ai pas poussé, Vincent. Bien sûr, tu m'as poussé. Écoute, toi, tu vois rien du tout. Et maintenant, quelqu'un vient, tu vois... Aïe, écoute, Hilario... Laisse-moi tranquille. Calme, calme. Laisse-moi tranquille. Calme. Ne me dis pas calme parce que calme, toi, tu vois rien du tout. Calme. Ok, Hilario, je te dis, laisse-moi tranquille. Par inattention, j'ai à peine un peu poussé Vincent. Et c'est vrai que Vincent a tapé une crise. Il faut dire que je comprends quelque part Vincent parce qu'il est, il est ultra tendu depuis le départ de Mia. Ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que moi aussi, je suis très. Je suis pas content du tout du départ de Mia, qu'elle nous manque énormément à tous. Moi, Massimo me manque aussi énormément. Donc, il faut pas non plus en vouloir à tout le monde. Ne me dis pas ce que je dois faire, Hilario. Et toi non plus, d'accord? Moi non plus? Excusez-moi, je t'ai rien dit faire, hein, Hilario. Calme-toi. Je t'ai rien dit encore pour le moment, ok? Voilà, et me dis rien alors. Laisse-moi tranquille. Oh putain. Oh là, c'est comme ça. Tu es bien gentil, mais il y a des limites, hein. Toi aussi. Moi aussi. Ha ha ha. Hilario ne me fait pas rigoler. Quelqu'un qui sait même pas nouer un poulet entre un cochon. Ah, s'il te plaît. Hein. Faut pas me crier après. Mais je te crie pas après. Hein? Je suis pas susceptible, mais là, t'avais pas la manière. Non, je suis pas susceptible du tout. Hein. Moi, j'ai pas la manière, des fois. Je sais que j'ai pas la manière. Oui, oui, il faut l'apprendre un peu. Parce que je m'en fous, hein. Mais là, là, c'était tellement bizarre. J'ai trouvé ça sur le frigo. Bon, ça va, bien. Bon, tu commences? Oui, ça va, quoi, je commence. Commence, hein? Non, quoi, je commence, ne me dis pas sans arrêt, commence, fais-ci, fais ça. Je ne t'ai pas fait ci, fais ça, tu vas pas faire ton évangélie. Oh putain, c'est pas vrai ça. Bon, oh, bah, ok, alors maintenant, dimanche à la campagne, Hilario, le régisseur, il a organisé un pique-nique au soleil. Petite nappe à carreaux, partie de foot, les filles en maillot de bain et la ferme se transforme en club de vacances. J'hallucine. Et puis ensuite, les célébrités, elles se sont plongées dans un cours d'anatomie puisqu'elles ont dû apprendre par cœur les différentes parties de la vache. Mais entrecôte, faux filet, plein de côtes baveuses, macreuse. Et comme on dit, la macreuse, ça creuse. Ouais, très drôle, hein, mais comme tous les dimanches, on commence par un bon poulet pour le déjeuner qui rend d'ailleurs à Céline limite malade, tu vois. Voilà, maintenant fini, vas-y, fini. Et non, mais je ne dis pas ce que j'ai à faire. Ah, là, tu vas dire évangéliste, c'est pas possible. Envoie la sauce, va. C'est pas vrai. Mais viens, je tombe sur toi, que je suis contente. Tu es mon assistante aujourd'hui. Oh, oh, mais regarde. On va bien les ébouillanter, hein? Ensuite, on va lui tordre le cou à cette petite poularde. Hein? Allez, viens, regarde-la. Elle est là, elle t'attend. Elle t'attend, regarde. Oh, Céline. Oh, mais elle tourne de l'œil, mon maman, Dieu. Je te jure, je peux en dire. Pourquoi c'est tombé sur moi aujourd'hui? Tu peux pas changer? Je te donne la plus grosse affaire. Non, mais non, on le fait ensemble. C'est pour toi. Et. Oh putain, ça pue! Hein. Faut le faire tremper dans l'eau bouillante, normalement. Laisse tomber. L'eau bouillante arrive. Ouais. 2 minutes et puis voilà. Viens là. C'est mieux. Ouais. Mais attends. C'est bon, j'ai pas. C'est bon. Vous savez quoi, j'ai... Viens faire un câlin, viens faire un câlin à Maïté. Viens là, ma petite. Écoute, tu sais ce qu'on va faire, hein? On va demander à ta collègue de le faire à ta place. D'accord. Hein? Mais regarde. On va pas t'emmerder avec ça, hein? Mais sinon, tu regardes comment on fait et puis comme ça, tu sors. D'accord. Hein, d'accord. Tu n'auras même pas à toucher, d'accord? Okay. Regarde ces belles poulards de combat. Bon. Oh. Elle est où, le chou? Oh, qu'elle est mignonne. Oh. J'en étais malade de voir... J'ai vu les deux poulets dans le cellier et de les voir,
J'ai failli... Pourtant, je ne suis pas petite nature, etc. Tu peux me demander de tout faire. Mais là, je ne sais pas, j'étais hyper mal, quoi. Je ne pouvais pas y toucher. On va parler, papa. Viens voir Elodie, viens avec moi. Ouais, c'est bon. Responsable pique-nique. C'est plus à mon avis, le meilleur endroit. C'est incroyable. Mon avis, hein. À côté du lac. Pas trop, mais... Obligé. Mais... À côté du lac, mais si on se met, tu vois, par là, quelque part par là, ça peut être cool, là. Tu vas là? Un peu plus loin, non? Voilà, c'est bien, on a la ferme d'un côté, tu vois, par là. Hein, sans qu'on soit trop excentré à côté du lac, parce qu'on va se... Ouais, là. Ouais, là. Allez. Hein, on va se mettre par là. C'est parti. Voilà, là, c'est bien. Tu prends des pierres pour mettre le truc. Attends, j'arrive. Je vais chercher le reste. Tiens la partie. Il y en a une là. Oh là là. Oh là. Ah, il y en a une là déjà. C'est impossible à faire. Laisse-moi ça tout de suite. Le bonheur est dans le pré. C'est ce que j'allais dire. Et nous, on est dans le pré. Attends, c'est génial, là, la vue qu'on a. Le bonheur dans le pré. Le temps, tout. C'est une vue incroyable. Moi, je m'éclate. Incroyable. Mais ici, on est bien. Je m'éclate toute seule. Hein. On peut refaire la chanson, je m'éclate au Sénégal, je m'éclate à la ferme. C'est pas tout seul, Daniel, on est avec toi. Tout le monde s'éclate. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as vu? Aïe! Volkerquier maintenant. Daniel, invente un nouveau style! Daniel Gilbert, invente un nouveau style, le style sac à main! C'est ma poche! Sac à main, casquette, pompe de golf! Un football, oui, sac à main, tout à fait, oui, mon Sébastien! Allez, Danou! Me fais pas rire! Dani, si tu veux, on te creuse un trou, tu vas mettre le ballon dedans! Daniel, allez! Allez, Danou! Allez, pour toi! Oh! Oh! Rattrape la balle! Oh putain! Bon, Mousse. Allez, Mousse, vas-y. Par contre... Zen. Ça a le don de relaxer le soleil. C'est trop bien, quoi. Détends. Oh, moi, ça m'a... Je pourrais presque dormir s'il n'y avait pas ce coq qui criait comme un âne. En fait, c'est ça, il faut le tuer. Il n'y a que lui qui relaxe pas. Le vide intérieur. Donc là, franchement, il y a la vaisselle à faire. Notre régisseur va dormir, c'est pas sympa. Là, c'est vraiment le foutage de gueule. De toute façon, les mecs sont plus fatigués que les filles. Hein. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Pascal Hoche, hein, parce que lui, il fait beaucoup. Oh, oui, non, lui, il peut se reposer. Hein. Parce que lui, avec ce qu'il apporte. Pascal, et c'est la seule personne qui lui demande en faveur. Tu n'as pas l'impression que tu es en train d'abuser. Oui. Parce que tout le reste, tu peux en être sûr, ils vont te sortir un jour que j'ai fait ci pour toi. Oui, oui.
Non, mais là, faudra pas que les petites nous disent qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Là, je vais péter un plan. Hein. Daniel, regarde-moi, pète le plan et regarde-moi le péter bien. Depuis quelques jours, Daniel, elle donne plus son avis. Elle est plus directe. Moi, je pense que c'est une cumulation de ras-le-bol et des choses qu'elle gardait pour elle. Et moi, j'étais le premier pour lui dire, ou le premier à lui dire, il faut qu'elle dise ce qu'elle croit. Bon, bon, bon. Tu sais, Daniel, j'ai toujours été quelqu'un qui m'entendait très bien avec des femmes âgées. Mm-hmm. Tu vois, toujours oh. avec moi. Non, 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 je parle pas de toi. Je parle généralement. Mais oui, mais pourquoi tu fais... Oh, je rigole. Non, 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 mais là, j'ai en train de te dire que moi, c'était toujours avec moi, c'était toujours parce toujours que t'es mûre. Je passais beaucoup de temps avec les femmes beaucoup plus âgées que moi, beaucoup, beaucoup plus âgées. Parce que j'ai l'impression qu'ils me comprennent. Ils étaient toujours là pour moi. Et les et femmes, y a autre on chose croit que aussi. Les femmes sont plus ouvertes que est-ce les hommes. Est-ce que tu as pas... font plus attention, quoi, peut-être. Mais est-ce que c'est pas aussi la recherche de la maman? Non, pas la maman. C'est tout simplement, ils me comprennent plus. Et tu sais quoi? Toutes les choses bonnes qui m'est arrivées dans ma vie, c'était une femme qui a ouvert la porte. Il faut apprendre tous les trucs où ça se trouve. Après, ils vont les enlever. Et il faudra remettre à sa place. Donc, il faut mémoriser. Alors, si vous aimez, vous délectez les morceaux de viande. Bon, bah, chacun retient un petit d'où ils proviennent. Voici l'anatomie de. Mais non, mais au pire. Ouais. Moi, je retiens collier et. Et code découverte. Ouais. Mais non, parce qu'on doit tous apprendre et mémoriser les différentes parties. D'accord. Du coup. Donc on doit tout connaître. Tiens. En fait, tout ce qui est après des fêtes, c'est le meilleur. Merci. Le rhum steak, l'aiguillette, le filet. Le gîte noir. Qui s'est dit que c'est le meilleur? Le gîte noir. Où ça, c'est meilleur? Les meilleurs morceaux sont à l'arrière, pratiquement. Ouais. Bah non, c'est pourquoi t'es. Ouais, mais ouais, d'accord, mais regarde, faux filet, rhum steak, filet, c'est à l'arrière. Quoi. Tu coupes la vache en deux, c'est la partie arrière. C'est le plus tendre, en fait. Ouais. Bah, comme chez nous, hein. Il y a plus à bouffer en bas qu'en haut. Sans popotin. Tout ça, c'est qui aurait été bien. Si l'espace était encore plus large et on peut disparaître. C'est faire un banc. Faire un. Tu vois le tabouret. Au moins, une chose que j'ai appris ici, c'est des personnalités n'ont pas d'hygiène. Ça, c'est quand même. Et en dessous, tous les beaux habits, ils sont sales. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years. And if I thought hard enough words, I'd find myself drowning. Et tu connais tout ça? Non. C'est toi qui vas gagner. That's why I'll always stay around. Mais c'est là, il est simple. Collier, poitrine, épaule, gigoule, selle, filet, seconde et premier, côte. Haute côte, côte découverte. Côte filet. On doit voir ta bavette d'aloyau, elle est où? Il est là. À l'angle de la cuisse, tu vois. À côté des tranches et avant la bavette de plancher. Ah, moi, je ne l'ai pas, je l'ai oublié. C'est entre le mouvant et le merlan. Le mouvant et le merlan. Oui. Mais c'est pas entre. C'est à côté. C'est sur le côté. Bah ouais. C'est un peu à chaque fois qu'on a. Interro oral. Règle du jeu. Chacun à votre tour, vous allez piocher un papier dans la corbeille et le replacer sur le schéma. Attention, celui qui tire un papier n'a pas le droit de se faire aider pour placer le papier. Il est interdit de souffler, de tricher. Merci de ranger vos antisèches. Donc voilà. Vas-y, poteau. Ma cruche, poteau feu.
Ah bah tiens. La pote au feu, c'est là. Jumeau, ma creuse. Ouais. C'est bon, j'en ai plus. Hein. C'est bon. Voilà, gîte noix. Plat de tranche. Pote au feu. Vas-y. Collier, merde, ça peut être bien où ça. Oh, je l'ai eu tout à l'heure. Oh, et gros bout de poitrine, ça peut être où, à votre avis? Le jumeau à bistec, c'est bien. Jumeau à bistec. Le gîte. Belle logique, il est là. Le jumeau à bistec, bébé, jumeau bistec. Oh, vous savez quoi, Patrice? Non. Je me suis toujours bien tendu avec des hommes âgés. Et pourquoi vous me dites ça, hein? Ah ben, je dis pas ça pour vous, hein. Ah bon, je sais pas. Tout ce qui m'est bien arrivé dans la vie, c'est des hommes âgés. T'es, vous aussi. Voilà, eh ouais. Une bonne surprise quand même au coucher du soleil, l'occasion pour nos célébrités de prendre un bon bain chaud avec celle de Ben, Ben Moussant, la totale, après 2 semaines de douche glacée. C'est carrément le luxe. Et puis vous allez voir que Céline, elle est devenue la sorte de confidente du groupe. C'est limite l'assistante sociale de Vivian. Oui. Tout le monde vient à confesse chez elle. Voilà, voilà, Vincent, par exemple, qui en veut toujours à Sébastien d'avoir nominé Mia. Puis Sébastien qui en veut à Vincent de lui en vouloir d'avoir nominé Mia. Bref, Céline, présente de feu. C'est maintenant. Oh, c'est vrai, j'aime bien les vieux. Eh oui. Non, c'est vrai, je vous aime bien. Pourquoi vous dites ça, moi? Ouais, j'aime bien. Je lui dis des choses que je vois et je constate, et je vois que cette personne, il rentre dans le mur à tête baissée, tu vois, et il rentre pas parce qu'il a envie de rentrer, parce que quelqu'un lui conduit, tu vois, et ça m'énerve. Et ça m'énerve vraiment gentiment. Non, pas gentiment. Ça m'énerve, mais je suis blessée. Et chaque fois que je le vois, j'ai envie de le gifler, tu vois, mais j'ai envie de le réveiller, mais je sais pas quoi faire. Et j'ai l'impression que j'essaie de contacter la personne, et j'arrive pas. Tu vois, je sais pas quoi faire. Je peux pas parler avec ce garçon. Tout ça, je sais pas. Et moi, je suis quelqu'un qui parle. Je suis la communication. Eh ben, écoute, on peut pas me rapprocher, hein. Reprocher de ne pas communiquer avec les gens. Mais Céline, toi, t'as rien à voir dans l'histoire. Hein. Mais attends, je sais. T'as rien à voir. Moi, est-ce que je te gave avec ça? Non. Pas toi, mais moi, on vient tout le temps me voir pour quoi que ce soit. Donc, je commence à voir jusque là, quoi. Il faut que tu lui parles, parle-lui, parce que moi j'en peux plus. Moi. Les histoires de chacun et tout, ça me gonfle grave. Voilà, Mia est partie, c'est dommage pour lui, il se sent seul. Et voilà, donc... Moi, l'explication que j'ai, oui, c'est qu'il me reproche le fait d'avoir voté pour Mia et pas pour quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me prend le chou, c'est quand on m'attaque de plein fouet à 7h du matin, quoi. C'est tout, ça me prend le chou. Puis après, quand toute la journée, c'est patati et patata et ma mamie et ma maman. Puis, j'ai l'impression qu'ils parlent de moi. J'ai l'impression qu'ils parlent de moi à tous les gens qui sont proches de moi, tu vois. Pour style... Parce qu'il a l'impression de pas se faire écouter par toi, quoi. C'est ça, le truc. Il a l'impression que ça passe pas. Avec un bon bain chaud, à l'aide du tuyau jaune, l'eau chaude à volonté. Bah non, je me suis douché déjà, ça m'intéresse. Mais oui, mais ça, c'est pas cool parce qu'on peut pas rentrer dedans. Oh, c'est super. Elle est chaude, l'eau? Elle est chaude? Oh putain. Oh putain, j'en prends un. Attends, j'y vais. Elle est chaude. Non, je l'ai déjà fait. Alors, qui c'est qui va? Moi, j'y vais grave. Ah, moi aussi, j'y vais. Si je peux y aller, j'y vais. Vous pouvez y aller, si vous voulez. À combien on peut y aller? Il y en a que 3 ou on peut changer l'eau? On a le temps. Donc, c'est quoi, bordel? Tu vas? Vous y allez tous les 3? Moi, t'as raison. Vite, à 10 ans, on va y aller, on va y aller. Moi, tu pensais qu'on allait faire le retour du roi à l'écran? À quelle heure est-ce qu'ils vont? À quelle heure est-ce qu'ils vont? Sa mère, putain, de l'eau chaude. Oh, elle est bien chaude. Oh, à quelle heure? Oh, t'as bien raison, Flash. Il pouvait voir. J'ai l'habitude d'une baignoire. Alors, parce que l'autre... Pascal, en plus, je suis le plus loin de la mer. Mais non, je vais aller le truc de la cuisine. Ah, il y a des paillettes. Regarde, Lisa, papa, il a des paillettes dans le bain. Tu veux les récupérer, après. Et après, pour vider l'eau, il suffit d'enlever... Non, mais attends, et nous? Et nous? Non, mais il y a un mec. Vous les récupérez après? Non, mais après? Pourquoi après? Non, c'est fini, après on... Après on... Il la prend, c'est du milieu. Ah Daniel. Si, Daniel, ouais. Daniel. Si, on la prend, mais je la vide. Parce qu'il n'a pas fini de la vider, alors faut que je vide. Alors vraiment, ça c'est pas très gentil. Mais, écoute... De vous à moi, c'est pas...
pas cool, mais bon. Non, ça n'a rien à voir avec gentil, c'est des gentlemen. Oh non, mais attends, quand même. Ça ne gêne pas de me voir faire. Il n'y a rien de gentleman de lui. Oui, non, mais en fait, ça ne gêne pas de me voir écouper. Hein. Qui? Celui qui était dedans. Oui, je sais. Non, mais ils ont tous vidé, les deux autres ont vidé, lui non. Tu peux vider le baignoire pour gagner avec moi? Après, tu la tiens? On n'aurait pas été privé d'eau chaude depuis longtemps, j'aurais laissé tomber, moi, parce que... On y sera encore, là. Ah bah oui, elles y sont encore. Tiens, viens, attrapez ça. Quel sexy maillot. Daniel, je crois que j'ai le même que toi. Non. J'ai acheté à la Martinique. Ah oui? J'ai acheté à Paris. Ah bon? Oui. Il y a les mêmes. Ça va, ça va pas te tromper. Ah. C'est une coquille, oh, Daniel. Chaud, mais c'est trop géant. C'est génial. C'est trop là. Géant. Oh. Peut-être j'aurais dû en mettre moins parce que plus on en met, plus il faut en vider. Ouh, c'est chaud. J'avais pas pensé. Ouh. Moi, j'avais oublié que c'était si bien l'eau chaude, parce que je me suis tellement habituée à l'eau froide, et sincèrement, ça fait vraiment du bien. Ça relaxe, et puis on sent bon, et puis on a réellement l'impression, la sensation d'être vraiment propre. Élodie, elle est dedans. Ouh, je t'ai mis tout, tout sur le tableau. C'est génial, c'est génial. Ça, pour être génial, c'est génial. Ah, ça, pour être génial, c'est génial, de chez génial. Bonheur. Et voilà, j'ai même plus froid tellement ça m'a fait du bien. Oh là 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 là, chemenenenene. Je me sens bien propre, mes cheveux sont lavés, je sens bon, c'est parfait. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, tu dis que la vie est une bague à chaque doigt. Soleil de Floride. Moi, mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Un, deux, trois. Mais je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Et de leur amour plus bleu que le ciel autour. Non, c'est pareil, hein. Je verrai la petite Céline dans une baignoire, je lui ferai la chanson douce. Hein. Voilà l'occasion pour vous de gagner un week-end de rêve, un week-end très jet set dans un hôtel 4 étoiles tout près de Visan dans le sud de la France. Alors, la semaine dernière, c'est Claude Dagné. Salut Claude, qui il a gagné. Il est fort, Claude. Hein. Hein, il est fort, Claude. Oui, il est costaud. Ouais. Et bravo à lui. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, vous répondez à cette question. Combien de chevreaux a eu Biquette la semaine dernière? C'est très, très dur. Et vous appelez le 3280 ou alors vous envoyez ferme au 62500. Ouais. Bonne chance. Oui, c'est ce que je dis toujours. Et dans quelques instants, on ira faire un tour à Visan et découvrir la fin de soirée des célébrités avec une Danielle toujours un petit peu chiffon. On vous embrasse, Danielle. Oui, si... Enfin, vous ne nous écoutez pas, mais on va vous le répéter. Et puis, on vous trouve formidable. Vous ne laissez pas faire. Et puis, vous êtes une vraie maman. Heureusement que vous êtes dans cette ferme. À tout de suite, juste après la pub. Juste après? Ah ouais. Eh ben, top. Allez, mieux. On y va, on y va bien. Doucement, le canard, hey, doucement. Voilà, de retour, on va tout de suite aller à la fin de la soirée à Visan, plutôt calme, avec Daniel, qui voit arriver avec soulagement la fin de cette mauvaise journée. Et heureusement que Désiré est là pour la consoler. Désiré. Allez, vas-y. Désiré. Et Hilario qui prend son rôle de régisseur très au sérieux avec une organisation du planning au poil de chèvre. Prêt. Organisation, organisation, c'est parti. Hein? Mousse. Ah, mais c'est déjà écrit ouais. Pour demain, tu fais les animaux, tout ça. Je peux compter sur toi pour des travaux demain matin ou pas? Ouais. Hein? Des travaux de... Et c'était encore pire. Oui, que là... Pour l'abri de pompons. Bah, entre l'abri de pompons et la bergerie, il va falloir qu'on soit au moins 6, 2, 4, 5. 5, c'est parfait.
Non, vous l'avez tu sorti vois ce que je veux dire devant hein là et des choses comme ça. Bon, ben, vous l'avez sorti la devant là. Mais je parlais de juste de le sortir, tous les choses. Dans venir, donc, Vaisselle, Elodie, Ève et Céline. Toilette, c'est moi. Cuisine, mousse. Et Vincent. Pour les vaches et les ânes. On va faire Céline, Elodie, Céline, Elodie, Céline. Je ne les ai pas faites ce matin. Non, pardon, excuse-moi. Ah ouais. Céline, Ticia, Sébastien. Et Daniel. Je vais traire les vaches, ma titi. Et Daniel. Céline et Ticia, la traite, et moi, le fumier, et Daniel, les ânes. OK. Oui. Ça va, tout va bien? Parfait. On a tous compris nos tâches. Non, pas de mauvaise humeur, mais bon, il y a de temps en temps des choses qu'il faut stopper, quoi, parce que sinon, il faut dire tout de suite. Après, il n'y a pas de malentendu, il n'y a rien. Dans quelques instants, nous allons nous connecter avec Visan pour annoncer à nos célébrités le classement des 3 meilleurs fermés de la semaine, car apparemment, ils n'ont pas entendu vendredi soir. Et le classement, Patrice, c'est sérieux. C'est très scientifique. Oui, comme ça, je l'expliquerai une autre fois. Voilà, demain, on aura un paperboard, on vous expliquera de manière absolument scientifique comment ça se passe. Tout de suite, on va aller à Visan. Comment ça va, Visan, et est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Ah, vous faites très, très, très petite maison dans la prairie, là, tous, hein. Ok, merci les débiles. Est-ce que vous avez eu des livraisons de salopettes ou quoi? Oui. Bon alors, le classement des fermiers. Vincent, un petit mot quand même, car autant la semaine dernière a été d'une grande tristesse et catastrophique quand vous avez appris que vous étiez dans le mauvais classement, autant là, tout d'un coup, ça va... Mais qu'est-ce que c'est que cette bretelle qui dépasse? Oui. Et ça, en tout cas, Vincent, ça va beaucoup mieux. Il n'a pas eu la même salopette. Oh, c'est pas à cause de ça, mais je vais beaucoup mieux, ça c'est vrai. Bon. Parce que quand Mia elle est partie, je sombrais un tout petit peu, mm-hmm. parce que je me sentais comme si c'était une grande vide par rapport à elle, parce que j'ai passé beaucoup de temps en train de parler avec elle. Mais là, ça, avec les salopettes, ça va mieux. Et de savoir que je suis nominée avec deux autres drôles de dames, eh ben, écoute, le trio, c'est très bien. Alors Vincent, numéro 3 dans le classement des meilleurs fermiers, qui a donc été établi par Jean-Philippe, hein, Jean-Philippe fermier. Oui, absolument. Numéro 2, Élodie. Bravo. Bravi. Merci beaucoup. Merci. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez mériter ce classement? Le mériter, je ne sais pas. Objectivement, je n'ai pas un regard objectif. Mais en tout cas, je suis très contente. Mais bon, ça changera de semaine en semaine. Et c'est vrai que le jugement est assez difficile à faire parce qu'on travaille tous énormément et qu'on travaille tous dans des domaines différents. C'est clair. Donc c'est un peu difficile. Sébastien qui n'est pas d'accord. Sébastien. Si, elle est très forte. Démago, très forte. Ouais, politique. Qu'est-ce que c'est que cette bague, Élodie? Je vous rappelle que vous êtes à la ferme. Qu'est-ce que c'est que cette bague? Remettez la main devant votre bouche. Mettez la main devant votre bouche. Ah, c'est très ferme. Très, très ferme. Très ferme. Bravo. Et alors, en numéro 1 du classement, Céline, bonsoir. Salut. Comment ça va? Ben écoute, tout va très, très bien. Vous avez l'air... Je suis très contente d'être la première et puis parce que je bosse comme une malade. Ouais. Comment vous avez une tête de faux cul quand vous dites ça tous. Céline, quelle est la tâche qui vous rebute le plus? Qu'est-ce qui vous a vraiment gêné ces derniers jours dans les tâches, on va dire, de la ferme? Allez. Faire la cuisine, en fait. Le petit poulet, compliqué. Ah, le poulet, ça a été terrible. Là, j'ai eu un retournement. Je pouvais pas. Ok, n'en parlons plus. Horrible. On vous salue tous. Daniel, ne pétez pas les plombs. Vous êtes la maman de cette ferme, ils ont besoin de vous. Et quand vous dites à quelqu'un qu'il ne faut pas mettre de paille là, il ne faut pas mettre de paille, a priori, ma chère Ève, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, Daniel n'avait pas trop tort. C'est la manière
très bien, on dirait que je suis son bébé à chaque fois. Non mais Patrice aussi, quand il y a des crottes, il les recouvre avec la paille. Mais je suis pas content. Il a rien, il tient toujours bien la maison. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. On vous embrasse. Salut tout le monde, salut Mousse, salut Dario, salut tout le monde. À demain. Salut Céline, bye, bonne soirée. Voilà, on va se retrouver. Eva Kowalewska, c'est une chance pour vous. Elle était la toute première à quitter la ferme et vous pouvez la trouver en chat, en internet, juste après. En chat, pardon. En internet, juste après cette émission pour dialoguer avec elle. La chance, vous l'avez pas, je vous crois, qu'on prend même pas la chance qu'ils ont. Allez, dis au revoir maintenant. On va dire au revoir, on va dire que demain on se retrouve à 19h. Oui, c'est ça. Et puis salut tout le monde. Voilà. Salut à tous. C'est quoi, j'aime bien les personnes âgées quand même. Oui, mais internet.